mais toi, je te veux, toi, je te veux. Mais je peux pas ouvrir tout. S'il te plaît, Père Noël, je peux pas ouvrir déjà tout, là. Je voudrais tout manger, tout, 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 tout manger. J'espère que vous allez bien en ce 2 décembre. On a l'acrobate là-haut, là. Alors moi, je suis en train... Bah, il est redescendu. Je suis en train de galérer de ouf à mettre le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous le voyez derrière, de la fête du scrap. J'essaie de le mettre... Bon, je vais y arriver. De toute façon, je voudrais qu'il soit derrière. Il sera derrière. Et les pochettes de... dans mes pochettes, elles seront derrière aussi. Je suis en train de galérer un petit peu. Et je me rends compte que j'ai très envie d'ouvrir mes calendriers. Donc, je vais les ouvrir maintenant avec vous. J'ai déjà préparé les petites enveloppes. Alors, je vais commencer par celui de Julie. Je vais vous mettre aussi ici, cette fois-ci, pour de vrai, le nom de la chaîne avec qui j'ai fait un échange, mais que ni elle ni moi n'avons reçu nos calendriers. Moi, je ne l'ai pas terminé et je crois que... C'est Nuki qui fait du bazar et je crois qu'elle ne me l'a pas envoyé. Donc le numéro 2 venant de Julie. Alors normalement, calendrier de l'Avent, on n'est pas censé deviner. Hein, c'est plus dans les swaps. Hein, donc je ne le fais pas. Hein, je vois que tout le monde le fait, mais ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Ça, voilà. Alors... très gentil de ta part parce qu'elle sait que j'affectionne les happy planners. C'est très gentil, Julie, merci beaucoup. Des anneaux dorés, des petits anneaux dorés. Bah ça, c'est super chouette. Ensuite, le calendrier de... Merci beaucoup, Julie. Non mais moi, je suis genre, ouais, c'est super chouette, allez, vas-y. Donc, quelle heure est-il? Où j'en suis là-dessus? Parce qu'il faut quand même que... Ouais. Alors... C'est mignon les petites étiquettes hein, avec les... Donc je... Ça fait du scrap, nous avons un petit pochoir, tout petit, très mignon. Et dans mes pochettes... Je dirais que c'est des petites cartes de Project Life, mais... Eh oui. Hello December. C'est ça, bah ça va être super pour le December Daily aussi. Regardez. Chaque jour, en fait, on a des cartes. Alors, je vous montre ça. Et donc on a tout le mois de décembre comme ça, c'est très joli. Donc là le 21 je présume, ah non même pas, alors je sais pas de quelle collection elles viennent, ça me... les couleurs me parlent, me disent quelque chose, mais non peut-être pas parce que c'est en anglais, donc je sais pas. Donc, on a plus ou moins, ouais, tous les jours, en fait. Bah, ça, c'est pas mal bah, pour le Project Life et pour le December Daily. Je vais m'en servir, ça va être super cool. Donc, j'aime beaucoup cette petite carte. Merci, Perrine. Est-ce qu'il est raisonnable que je prenne mon chocolat à 11h21? Bah oui. Bah oui, moi, je veux mon chocolat. Mon Kinder. Ça va être du n'importe quoi, je le sens, parce que j'ai pris... Avec mon thé, là, je me suis pris un petit gâteau aux amandes que je me suis acheté hier à Action. J'ai acheté mes biscuits que j'adore. Et je sens que ça va être un peu n'importe quoi, cette histoire. Parce que
J'ai pas du tout faim, donc pour ce midi, ça va être pratique. Les chocolats, Nouki. Ah, Nouki est là pour le chocolat. Alors, le 2, où es-tu le 2 que je te mange très vite? Il est là-haut. Il est là-haut. Je vais pas faire l'erreur, voilà, je l'ouvre de l'extérieur. Oh là là. Un petit œuf. Ah, c'est bien, j'aime bien comment ils sont en fait. Parce qu'ils sont, c'est quand même des, voilà, c'est pas des gros machins. Moi, j'aurais pas pu manger un œuf Kinder, un vrai, vous savez. Mais là, il est plat, en fait. Nouki, tu manges le Kinder avec moi? Vous le mangez avec moi? Oui, oui, attends. Je vais te donner le papier. Tiens. C'est bon, hein? Bon, j'ai réussi enfin à installer le calendrier que vous verrez derrière. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai un petit peu galéré, mais bon, ça va. Avec Nouki, avec le fil et tout. Enfin bref, on a bien rigolé en fait. J'ai rajouté, j'ai mis ma petite touche perso. À la place des trombones, j'ai mis des petites pinces dorées. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, je vais... Donc après le boulot, je vais donc chez Truffaut faire des petites emplettes. Je vais voir si je peux vous filmer le haul action avant ou pas. Je vais voir si j'ai le temps entre la fin du boulot et que ma copine arrive. Je devrais pas avoir le temps. Je m'attaque au December Daily normalement juste après, dans la soirée. Et donc vous aurez tout à l'heure la page d'hier et d'aujourd'hui, donc du 1 et du 2. J'hésite à vous les mettre le soir. Évidemment, ça sonne. Je reviens. Oui, donc je vous disais, j'hésite à mettre les vidéos le soir. Puisque si je vous les mets le lendemain, c'est pour pas spoiler les calendriers de l'avant. Fait du scrap et dans mes pochettes pour les personnes qui les ont. Si je les mets enfin, le matin, ça va pas le faire. Si je les mets le soir, ça devrait aller. Et sinon, je continue à les mettre le lendemain. Bon, de toute façon. Hein. Donc, je vais vous montrer le calendrier tout de suite. Donc, il est juste derrière, là, vous allez voir. Et voilà, je reviens. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez, j'ai mis les petites loupiottes. Enfin, j'ai allumé les loupiottes parce que les loupiottes sont là depuis toujours. Ça fait très mignon. Bon, ça fait simple. Hein. Et voilà donc comment je l'ai installé, tout simplement. Donc, j'aurai pas accès à mes papiers pendant un petit moment, mais c'est pas gênant. Je pense pas que j'en ai besoin. Au pire, je me débrouillerai. Et puis, il va se vider petit à petit. Donc, voilà comment je l'ai mis. Pour l'autre, je vais voir. Je pense que je vais suspendre une... Enfin, je vais mettre une corde et je vais... accrocher les petits trucs, les petites pochettes pareil à côté. Je vais voir ça et je vous montre ça. Je sais pas du tout si je m'en occupe tout de suite. Hein. Je verrai plus tard. Donc voilà pour le petit calendrier de la fée du scrap. Voilà, donc je l'ai installé. Espérons que ça dure. De toute façon, à force, il va se vider. Hein. Donc, le calendrier dans mes pochettes, je vais essayer de le mettre ici aussi. Sinon, je le laisserai dans le petit panier. Je trouve que la petite corbeille en une sorte de je ne sais pas quoi d'ailleurs, dont je me servais pour les marchés de Noël, bah ça fait très Noël, donc je l'aime bien aussi. Donc, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'attends une commande. J'ai fait la razzia chez... Ah, j'ai celle-ci aussi. Chez Ephemeria, du coup, merci Julie de l'info. Il y avait des très belles promos. C'est fini, je crois. C'était jusqu'à dimanche soir. Et du coup, après le live, je suis allée direct sur le site. Je me suis pris 14 tampons All In Craft. Donc, cette marque-là. Donc, moi, alors celui-ci, je l'ai... Celui-là, je regardais dans mes... J'en ai quelques-uns, mais très peu. Et pas de petites... alors, celui-ci, je l'ai. C'est Frida. C'est ma passion. C'est ma my love. Alors, désolée pour la lumière. Mais celui de Frida, bon voilà, ça ne se discute même pas. Moi, Frida, j'adore. Et j'avais celui-ci. Alors, je doute de l'avoir pris, déjà, de l'avoir pris en double. Je ne sais pas si vous verrez mieux là-dessus. C'est pareil. Elle est trop choupinette. Et en fait, c'est vrai que j'avais tendance à les trouver un peu bizarres, un peu space. Et finalement, c'est grâce à une création d'une de mes paillettes, Jennifer, tu te reconnaîtras. Grâce à sa carte Memory Dex,
Elle avait mis plein de petites, tamponnages avec déco, enfin, bref, elle est magnifique sa carte. Je sais pas si je peux la retrouver tout de suite. Et ça m'a, je me suis dit, mais en fait, elles sont mignonnes ces petites bonnes femmes là de chez Olin Créat. Et non, c'est pas ici, c'est dans l'autre. Non, parce que, vous savez, j'ai deux. J'en ai deux des Rolodex. J'ai le rose et le blanc. Il faut que je range parce que c'est un peu n'importe comment. Je vais tout mettre dans un seul. Hein. Mais bref. Bon, après, je vous dis, j'en ai commandé 14 planches de tampons. Et je doute d'avoir pris celle-ci alors que je l'avais et je ne savais même pas. Et je ne l'ai jamais utilisée, hein, pour vous dire. Hein. C'est grave, hein. C'est grave, docteur. Bref. Voilà pour ça. J'ai oublié de vous dire, je vous montrer. Attendez, j'arrive. J'ai modifié la lumière, ça devrait aller mieux. Regardez ce que j'ai trouvé hier à Action. Monsieur Casse-Noisette, il était en noir, en doré. Le doré était très joli. Mais chez moi, c'est blanc et gris, ça ira pas du tout. Donc, je me suis pris ce casse-noisette. Je vous l'ai montré sur Instagram, je crois. Mais bon, je l'ai pas montré ici. Il est trop beau, hein. Il est juste magnifique. Et donc voilà. Et je crois qu'il va rester en déco toute l'année chez moi. Parce que casse-noisette, c'est Noël, ouais. Enfin, c'est un conte de Noël. Mais bon, pour moi, c'est toujours, je sais pas. Je l'aime tellement. Il est tellement beau. Je le trouve trop beau. Si j'étais folle, j'en rachèterais un doré. Parce qu'il était très joli, le doré. Le noir, il est pas mal non plus. Pour aller dans ma chambre, tiens, peut-être. Voilà, encore des folies. Mais soyons fous, la vie est courte. Je suis éblouie. Bon, mes paillettes, je viens de rentrer de chez Truffaut. J'ai trouvé de jolies choses. Je vais voir si je peux vous faire le haul tout à l'heure ou si je le fais demain. Parce que là, je vais attaquer les bullet journal, bien sûr. Tout à fait, tout va bien. Je vais attaquer le December Daily parce que j'ai la page du 1 et du 2 à faire. Et je vais absolument le faire. Sinon, si je prends du retard, j'ai du retard partout. Je suis à la bourre. Juste vous montrer, en rentrant, je suis allée donc à vérifier le courrier. Et j'avais ce joli courrier, ce beau courrier, de la part de Christaline de mes paillettes, qui me dit que c'est hors concours. Elle me dit c'est F le live. Alors elle avait dû m'en parler dans le live, je sais pas. En tout cas, je sais pas si j'aurai le temps de visionner le live. Tout va bien, hein, Nuki est en train de grimper sur mes rideaux. Et vous savez, j'ai des rideaux très épais. Ils sont... une sorte de matière très épaisse et franchement depuis que j'ai Nuki il grimpe dessus, tout va bien. Je croise des doigts en même temps. Bon, ils sont beaux encore, donc j'allais dire non, ils sont beaux, c'est vrai qu'ils sont beaux. Donc bref, tout va bien, il grimpe au rideau mais tout va bien. Je l'ouvrirai pareil dans une vidéo à part. Ce que je vais faire, je vais vous faire le haul Truffaut et Action, je pense, dans une même vidéo, ainsi que et je vous ferai une ouverture de courrier dans une vidéo à part. Comme ça fera plein de vidéos. Non, moi ça me permet de faire des petites vidéos et de les espacer dans le temps, parce que là demain ça va être une journée tranquille. Demain, donc jeudi, je ne bouge pas après le boulot. Donc j'aurai plus de temps et voilà, je pense que je vais m'organiser, parce que là je m'organise pas là en fait. Je pars, je rentre, je cours, je fais les choses vraiment vite fait. Donc ouais, demain je vais essayer de m'organiser avec justement un de mes planeurs. Je vous montrerai tout ce que je fais avec mes planeurs, mais pas tout de suite. Je vous montrerai ça en janvier quand j'aurai tout réorganisé, mes planeurs, parce que c'est ce que je suis en train de faire en fait. J'ai vu dans les questions et beaucoup de paillettes m'ont demandé par rapport aux planeurs, qu'est-ce que je fais avec tous ces planeurs. Vous verrez. En tout cas, je ne me sers pas de tous, hein, c'est sûr. Mais franchement, j'adore ça et c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mais en même temps, ce sont des caprices. Je crois que je vais arrêter de parler. Je vais attaquer le scrap, le dessin de Bernelli. Et je reviens, je pense, à vous dire au revoir. Thank you.
j'ai terminé donc mes deux pages du premier et du 2. Alors là, je vais faire un dashboard. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais le faire je sais pas quand. Et puis bah, on verra ça. Donc là, on a la page du 1er décembre qui se compose en deux éléments. Vous avez vu, je pense, oui, du coup. Donc là, on a donc le journaling sur ce petit sapin. Là, j'ai fait un petit truc assez rigolo avec Nuki et le sapin. Voilà. Et sinon, eh ben, la page donc scrappée, c'est sur le petit, la petite déco de Noël fée. Que je trouve tellement belle. Ange et fée, en fait. Mi-ange, mi-fée. Enfin, mi-princesse, je veux dire. Donc voilà, tout simplement, hein, j'ai collé des petits embellissements autour. Et puis c'est très simple en fait, vous voyez, très simple. Ce qui est sympa, c'est de mater les photos à chaque fois. Là, j'ai maté avec deux papiers. J'ai Nuki qui est en train de jouer avec une branche en bois que j'ai montée. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai montée d'ailleurs. Donc désolé pour le bruit que vous entendez à côté, mais bon, je sais que quand c'est Nuki, hein, ça ne vous dérange pas. Là, on a la page du 2. Enfin, les pages du 2. Puisque c'est sur deux pages. Vous voyez, là, il y a le journaling. Donc voilà, toujours très simple également. Je vais zoomer un petit peu si je peux. Voilà. Tout simple, hein, vraiment tout simple. Photo, matage, die cut. Là, j'ai fait vraiment très simple. Un peu de masking tape. Je ne sais pas où je l'ai eu, je vais vous montrer. Ce masking tape. Je me demande si c'est pas Action, je l'ai eu. Hein. Et cette boîte là, je l'ai prise à Action avant le confinement, hein, il y a un moment. Elle est très pratique, notamment, vous voyez là, je mets tous les masking tape pour Noël. Et donc c'est celui-ci. Bon, Nuki fait la fête. Hein. Je crois que je l'ai eu à Action, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois. En tout cas, il est super chouette. Ou alors chez Emma peut-être. Je vous dis des bêtises. Mais il est super chouette. Donc vous voyez, j'en ai mis donc là. Là, j'ai mis un petit stickers 3D. Puffy. Qui rappelle le casse-noisette ici. Et là, j'ai mon journaling. Tout simplement. Donc j'ai remis du masking tape. Washi tape. Et le 2. Voilà. Donc là, c'était mon December Daily. Cette fois-ci, vous l'avez vu. J'espère que je m'y tiendrai à une page par jour parce que deux, ça fait déjà beaucoup. Je ne vous le cache pas. Bah, je suis agréablement surprise de ce que j'ai fait, vous voyez. C'est rare que j'aime directement ce que je fais. Et là, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, la page avec le sapin, là, ça rend très bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, c'est le principal, non? Donc, voilà pour ma petite... mon petit vlog de Noël. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher et que je vais aller me coucher parce que je suis lessivée et vous savez quoi, il va être minuit. Donc, je ferai pas de haul, ni de haul Truffaut, ni rien du tout. Pourtant, j'ai une de ces merveilles dans le haul Truffaut. J'ai une jolie... Oh, vous verrez ça bientôt. J'ai Nuki qui vient là. Je pense qu'il veut qu'on aille dormir. Donc, on va aller dormir. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes. Et surtout, je vous kiffe. À très très vite. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Ciao, ciao. Je vous kiffe, mes paillettes.